Moi, c'est Bojik Star, a.k.a. Bo. Mon qui connaît mon relève Jeffrey, mon qui pas connaît mon relève frère, you know, famille, you know. So, c'est moi-même, petit tout, Bojik Star. Yeah, Stras, Navel. C'est tragique, mais c'est moitié monde, moitié bête. T'es AGK, on milite en rap bataille depuis 10 d'antan, dans le mouvement rap, dans le mouvement hip-hop. Et puis nous là, on a goumé sac à pied, on a goumé pour jusqu'à ce que souffle nous couper. Et puis nous là depuis Asrap, nous passer en GM de complice en pile l'autre bagarre encore et en pile l'autre bagarre avec tout. Well, nous pas me dire yes. Même j'en dis là. So moi même musique en pile, musique c'est vim, c'est sam et en dame. So moi j'ai débuté avec groupe qui était les SPS, ça me sac en soufflant. And then from there, moi still fait musique non stop. Même si j'ai des difficultés, but moi still là. And then still up fight pour mon côté de l'Ivia. On n'a pas ces gouverneurs et tout le monde connaît déjà qui était dans Charles République, qui font un paquet de travail dans game là. On comprend, nous participons à un paquet de gros projets, escalade, gros squad, moins top chico, nous font un paquet de travail dans game là. Donc c'est comme ça, c'était le gouverneur et pas gagné changé. Nous là, on c'est épisode Coup de Beat. On c'est rappeur, producteur, on c'est maestro et clic. So, tout le monde connaît sur nos épisodes bon volume. Avant tout, je salue tout fanatique hip-hop créole, tout fanatique musique haïtienne et puis fanatique BC, fanatique isolant en général. C'est tout le monde connaît, moi c'est isolant et mon vrai nom c'est Jean-Léonard Toubissant. So, c'est nègre à carrière, mais je me levais là dans Port-au-Prince depuis tout petit, je me levais dans Barbecue. So, c'est là, nous commençons. Et non, pas c'est l'aventure NS Edouard, mais non, libre, moi, non, que moi-même, je choisis de tête, moi, c'est Edda Lyrics, et qui vraiment fait connaissance avec rap à partir de l'influence que j'ai subi dans Fugees et M&M. Et encore une fois, c'est Abuja de Godman, même divisé, même trace là, même provision, saison 1, Mac là, ça qu'a fait, parce qu'on a fait un petit shout-out, yo, papa va faire, yo. Mais c'est même trace là, même divisé, même Abuja de Godman qui est toujours connu. So, on a fait parler. Mais oui, on a fait parler, non. Moi, c'est David Morinville, qui est peut-être un pile de nous qui connaît, un pile de nous qui pas connaît tout. Pour me rappeler, nous, ça, moi, c'est un homme très mollo qui nous connaît, qui était passé dans le concours de Noël, pour me capoter plus précision sur qui est-ce qui David Morinville là. On a dit, c'est Daglia Kenzi, le vrai nom, moi, et puis Mades Next Streets, que tout pays en connaît. Et. Moi-même, moi, c'est. Champion premier concours que il a été fait en 2006, c'est lui-même qui va permettre que mon lieu connaissance à grand public là. Et par la suite, nous avons migré vers Cipoa Jex, côté que nous avons fondé groupe ça, qui va faire quelques succès en d'un pays. Hein. Et que actuellement là, nous avons pas champ pour social, côté que nous créons au Haïti, on fait conférence, débat, les centaines d'enfermés, nous fait marche. Et nous transplanter plantules dans mon nom, dans l'optique pour capable d'avoir l'autre image avec les papas ici, hein, pour nous transformer image mouvement. Nom c'est John Filtido, moi c'est membre de Season de Production. Et Season de Production c'est une compagnie qui fait dessin, graffiti, caricature et puis calligraphe. Et pour représenter Kilti ici. Mon nom c'est All Star et. Moi, c'est un ingénieur en dedans Magic Sound Recording Studio. Et aussi, moi, c'est un artiste, moi et tout, et moi, je fais musique, moi, je chante et moi, je fais sequence aussi. Tout d'abord, je salue le peuple. Mon nom, c'est Petit Sitting. Bon, je suis connue sous le nom de Petit Sitting en tant qu'artiste. En fait, mon vrai nom, c'est Naomi Christine Mathieu. Et que moi, c'est un single artist. Moi, featuring avec plusieurs autres artistes et que nous avons voulu nos musiques depuis très longtemps. Alors, nous
mette kwe ke se yon bagay ki a kontinwe chouzon ki yo existe. Pou m prezante, m ap di nou gen avèk nou M.A.J. de Willis, moun ki leve avèk mwen ek te l'ekol menm kote avèk mwen konèm kom Oche Joseph Michelet. Avant tout, quelqu'un, c'est salutation du bon visage, pas vrai. Tout le monde à la ronde barbe, saluez-nous. Donc, nous, c'était frère, accès. Ok? Et that's it. C'est, top chou que nous te connaît. Bon, en plus, le monde te connaît. Qui te fait partie de Origin Rap Staff, qui toujours fait partie de Origin Rap Staff. Ça fait me dire, qui te fait partie de Origin Rap Staff, c'est parce que, en plus, le monde vient notre battant de lui. Donc, ça veut dire, si Origin Rap Fomba, nous, on sait ce qu'il y a à faire, qu'on est. C'est retourner. Bon, qui te fait partie, mais qui te fait partie. De mon vrai nom, Patrick Robinson Lobo. Patrick Robinson Lobo, Top Chouko, vient former depuis 1992. Je vais être maintenant Top Chouko. C'est là que ça me devait véritablement entrer dans la question que je considère être pour venir MC. Il y a une histoire de lui, mais je suis Top Chouko toujours. Top là. Il est transformé de jour en jour. Il est toujours prononcé Top Chouko. Et par rapport à l'aime fait créer Top Chouko avec Kounia, la signification est une vie profonde pour moi. Ça veut dire Top, le dit, bah qui, supérieur. Il y a dernier niveau, pire. Chouk là, lui-même, c'est un onomatopée, comme on a tout son bah qui est exprimé en pénétration. Ça veut dire, on son, on a un bah qui a pénétré en l'autre bagaille. C'est Chouk. On doit dire, par exemple, là, son un coup de couteau, voilà, ou bien on a tombé dans l'eau. Je vraiment là. Il y a plusieurs erreurs, il fait tchouk, tchouk. Mais, quoi, lui-même, c'est expression, un impact qui fait, un impact sur un bagage donné. Au contraire, on va faire un impact, c'est là que les réussis atteignent cible, très souvent. C'est-à-dire, il se peut que le fait que M. Top Chouko, flow Top Chouko, c'est un flow, un esprit supérieur, top, qui est plongé dans l'activité, et puis qui fait un impact. Moi, c'est Joe Doré. L'expérience dans la production, c'est FX Studio. Et ensuite, ça a été Doré Design pour graphique. Ensuite, Crésistance Production pour la production. Et Fort Diffusion pour vidéo. Et son expérience de vie extraordinaire qui fait me rencontrer un pile de monde, un pile d'artistes. Et tout le monde qui a placé dans la production, que ce soit l'audiovisuel, audio, graphiste, peu importe ce que c'est, il faut mettre le cœur là-dedans. Il faut croire là-dedans, il faut que son bail soit vraiment un mec persévérant et pour essayer d'être le meilleur de vous-même. Bon, non, je connais déjà, même j'ai un artiste, c'est Darinis Daniel. Et puis, il y a un artiste assez fantôme, son rappeur, il me fait partie des barricades cool, bien qu'en même temps, il me fait quelques barres sur le tour, en plus, avec le travail, en plus, l'autre bagarre, l'autre monde. Tout le monde connaît, non, ça déjà, Yakuza. Yakuza, c'est un MC, un rappeur, un écrivain, un poète de lui. Et puis, un nègre qui fait un peu de travail dans le game, qui c'est le game rap créole là. Depuis bien longtemps, tant que j'aime tout le monde aujourd'hui, depuis 4-4 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et puis, Yakuza, tout le monde connaît déjà, je n'ai même besoin d'expliquer qui est Yakuza. À ce travail, je vais faire déjà dans le game. Je vais expliquer qui est Yakuza. Kino, petit Port-au-Prince, tout le monde connaît nous sous nous ça parce que nous sommes les capables de nous faire le game. Non. Aïe, nous faisons Port-au-Prince, nous grandissons Port-au-Prince, c'est tout. Nous entrons dans un mouvement, juste jeunesse, ça, mais nous faisons comprendre qui ça nous va, qui va le nom, qui ça nous a fait, qui ça nous a fait. Kino, tout le monde connaît Kino sous nous, ça, parce que Kino, depuis que nous débutons sous nous, Kino, et tout nous prend plusieurs équipes et tout, on va. Parce que nous connaissons sous nous, Kouli I, et tant que nous DJ, ouais. Et tout le qui connaît sur E-Clean, c'est nos MC, je dis MC, bien entendu, parce que nous avons des gens qui sont MCA, des qui sont DJA, des qui sont entertainers. Il y a plusieurs qui sont. Bon. Moi, c'est Charles Johnny. Nous artiste de Jezo Dalek. Nous avons artiste Brumad. Vous quittez les Brumad là. Maintenant que c'est MMG, nous comptons ça déjà.
Je tiens, non, ça que nous choisis, on va être moins pour nous de la créole, c'est d'après gens que nous devons présenter en de la créole, là, puis j'ai tant pis à mon caractère, et puis j'aime qu'on a fait la conduite, que nous devons même Dieu tchak, même toujours bien plus en forme, so. Tout le monde est tchak, so. Ça c'est la nous sorti. Bon, je suis capable de dire, moi, c'est Bozo. Bozo, en pile, le monde connaît déjà, et. Dans le mouvement là pas ici, hein, ça me fait déjà et qui mouvement mené Bozo le premier et moi dans Kailala, moi c'est dans studio Fresh Squad Record et son run là avec Trace actuellement et non pas c'est Nomad Nomad still so aka Pi Brave Pi Sage so bon homme c'est Lumari Merlette et ma vie Miami et mon présenté une amie BMG qui c'est belle musique et groupe et comment ça me gravait cette tête. Moi c'est Easy and More Fire, so king of dancehall and reggae music, Haïtia, so tout le monde connaît ça déjà. Slogan qui c'est badass et salue tout le public là, équipe Trace là qui font un travail sérieux au niveau musique haïtienne. C'est Easy and More Fire comme moi fait que je dis, nous sommes haïtiens natifs natal et moi fier d'être haïtien et ceci dit, nous dis grand infini en merci qui fait un cadeau super talent ça, qui c'est musique. Mais c'est Skinny, un MC qui commence dans le rap depuis bloc 94, l'époque et Master G, là ça va comme oui. Et puis, original of Staff, à peine apparaît, mais ça, même des grands frères, des lycéens qui étaient commencé avant le mouvement, et puis, ils me définissent par fil mouvement, tout, ils me disent bon, intéressé, et puis, moi, dès là étant, ils commencé à rentrer sans que je me rende compte, et puis, ils ont commencé, ils me viennent et faire un team qui est dépassé Tchoubo, ils me viennent faire et. Soldats en mission, des ça à côté de nous, des décrucifiés. Et puis nous faisons un paquet d'autres groupes encore. Et bien avant tout, nous dépassons un team, juste qu'on est là qu'à faire non, mais le changer qu'on est là, c'est voir des îles, ensemble avec Fresh Woman. Mais comme nous avons un peu de temps, depuis la fight, et nous allons suspendre la fight. Tout. Son entité est force mystique, invisible, naturelle mystique qui fait nous amis, je dis à là. C'est non bat pas te passe, ça c'est non au bon moins. Entité au fait bien. Et entité n'a pas qui c'est Dessalines, le Forgard, Merlin Clairose, qui rend moi vin pas te passe. Des jeunes garçons qui te fait la vie pour plat, qui pas en début de l'école, qui te gon rêve nous, c'est pour nous te faire partie du système occidental là, on va nous te gampir l'argent, on va pour nous défendre, nous. Mais nous-mêmes, nous avons rêve, nous, c'est des batailles. Pour nous combattre pour le peuple, pour combattre pour le sol, pour combattre pour le noir ici. Et avec l'aide de tout petit, nous avons eu une vibration afro-noiriste. Nous avons remis un homme qui est Malcolm X. Et c'était rêve pas nous, je dis à la, pour nous dire révolutionnaire. C'est tout ça, m'a dit tout le monde qui attendait. Parce que c'est une personne qui mystique qui ne font pas pour toi, Izzy. Comprends? Pendant les zones invisibles, moins visibles, dans la tribu de Job, dans Roman, dans l'apostolat, je suis passé dans Asrap, à Combi, et je suis tombé dans un code femme fat, et je suis tombé dans la communauté des ancêtres. C'est tout ça que je dis, qui fait passe-te-passe, mais son dimension mysticale, son vibration mysticale, c'est entité loyale, mystique, dans Roman, et taïno et tout. Parce que de couleurs qui bonne couleur je dis à Samy là ça c'est pas c'est pas comment me faire connaissance à la musique me faire connaissance avec la musique et enfin tout moi même c'est me dit comme faire ragamuffine ah il y a un groupe qui est les Oxygen Plus qui sorti dans zone à aéroport Bobeman des Bobeman sur so, était gain Prince et un policier qui était les Prince qui était manager groupe ça et puis l'aime qu'on a fait vacances à KM qu'on a rencontré avec Prince et puis il m'était essayé tout et on a travaillé avec Oxygen Plus OK so après ça non là et puis me vinn tout petit me vinn dans rue Nicolas comme de gain là il est 8 ans 9 ans et puis nous même dans Nicolas avec
jeune nèg dans zone yo grand ici fait musique nous mais chaque fois me dit l'autre grand nèg dans zone yo nèg qui plus grand passé nous kon rap il va jambe quoi d'un coup exemple papa katafal te gen des DJ te kon pa quel monde mais il va jambe quoi so arrivé on connaît le freestyle de yo à l'époque DJ Cache Cache te kon fait un freestyle chaque dimanche et dans zone et Fantamara dans Wallachian sur so, dans le concours Didier Cache-Cache moi champion dans concours en piscine nan. Et puis Paul la vinn jeune nèg dans zone nan, et puis nèg ici et puis mec Jean c'est comme ça va commencer musique on commence à faire musique dès tout petit chanter avec dans mes tantes là si on a couru même à chanter dans l'église dans chorale toujours à chanter reprendre so but me commencer dans rap créole année 2003. Moi-même, connaissance pas avec et milieu ça, c'est une connaissance. Moi, c'est que je très chanceux parce que avant les maps écrits, ils me disent souvent écrit en cachette parce que mon lac à moi pas vraiment aimé sacré les rap là. Mais les maps écrits, je pense que c'est poésie maps écrit parce que les que me font bagay pour m'excuser, c'est poésie m'écrit pour me dire mon nom m'excuser. Donc, il y a un monde qui te convient lac à moi que les Romuald, qui ses amis en cousine moi et puis qui dit quoi, monsieur qui est aimé l'école, qu'on a dit non, mais c'est maps écrits. Les monsieur commencé li et ça m'a fait oh, il vraiment aimé, il aimé texture, il dit wow, pour que ce soit pas grave, ma foi jeune en nèg et puis monsieur fait jeune avec Mackenzie Jeune qui c'est un réalisateur et vidéo monsieur fait vidéo et tout mon a demandé et puis le quelqu'un même qui dit yo puis si nous ca frapper moi me pas quoi parce que me pas quoi les qui n'a fait me tendre tout ça le fait dans match écrit sont pas quoi et puis il y a quelqu'un bon rendez-vous pour la première fois. Moi, la première fois que moi-même je passé, moi entré dans la bouffe, c'est quelqu'un qui t'a fait me faire. Et ça t'a fait vraiment plaisir. Et puis là, je viens tout tomber amoureux de ça qui est le rap, ça qui est les bouffes, ça qui est les musiques. Et puis qui vient faire que, quand là, nous viens aide d'aller avec ce jeune là. Mon cher, je me suis fait connaissance à la musique en 98, puis école mixte la Salésienne. Et parce que j'ai toujours organisé en fête pour Don Bosco. Donc c'est dans la période ça m'ai performé et puis gens m'ont noté applaudi mon compagnon et ça t'est bon plus goût plus envie pour me continuer et puis me qu'on écrit acoustique pour moi ça me donne la liberté d'en filmer donc ça t'est bon mon pile vibe et puis en 2006 devenir champion et puis ça t'est bon plus goût pour moi continuer et dans activité ça depuis de tout petit nous sommes méloman comme si musique marche ensemble et puis il y a des musiques l'aime des petits la caille papa moi qui t'ai frappé ma pile parce que quand il y en a un monde qui t'ai frappé ma pile alors qui t'ai marqué attention mais c'était Charles Aznavour c'est, moi c'est que c'est premier artiste qui marqué Top Chouko comme premier artiste qui marqué il est Charles Aznavour après ça il y a pile d'autres encore il y a Mozart ok ça a dit l'un de mes mentors de toute variété musique mais rap lui même vient faire ouais rap ni même moi vinn fait connaissance souvle avec rap sans que m'pa conseiller comme sa musique ça relé ça veut dire m'te prend rap musique pour une musique qui assez étrange mais qui toujours musique et puis premier nèg qui t'ai marqué qui t'ai impressionné en pile dans musique c'était Charles Aznavour par exemple t'ai une musique qui t'ai bah moi en pile c'est quoi que la musique ça c'est au pays des merveilles, on va y aller comme ça. De musique, ça me tout petit, me décrase. Et puis, je viens d'entendre un peu l'autre dans cette musique encore, jusqu'à ce que je vienne tomber sur rap music. Rap music, je me fais connaître ça avec lui, pendant que je regarde un show télévisé sur Télé Haïti, qui c'est The Soul Train, et puis, il y a un groupe rap qui vient jouer qui est le Sugar Hill Gang. Si je me rappelle, c'est des années 78, on va y aller comme ça. Je me garde de tout petit là, je me habite pour ce machin. Je conseille rap musique dans les noms, mais depuis que je me pressionne, je fais de la musique par rapport à différents, par rapport à l'autre style de musique que je m'habite, et qui marche ensemble. Depuis que je me branche rap, ok, et puis je fais de musique jam, et puis c'est de la musique Rappers Delight, de la musique ça. C'est quelques années par la suite, je viens d'apprendre que c'était rap musique ça. Ok, donc. Moi-même, je viens de rap, moi-même, en 1992. Comment me faire entrer dans le rap, moi-même, comme si en tant que MC, c'était, on est, en plus, le monde connaît un peu, qui était habité pour la carrière, qui était convaincu, incité, il dit, tu quoi, m'encourage à faire rap. T'as dit, parce que, j'en mourir, alors, ou garde trois barres rap, ou trois branches rap, courage, pas ta faire rap, ou même tout. Et, monsieur dit, ou même Patrick fait ça, là, tu connais, monsieur Relais, c'était sous pas de nous.
sous parler de quand vient la caille moi les tu quoi faire donc et puis quelques temps après monter des conseils monsieur m'entraîner dans avec grand monsieur que c'était my master G et puis that's it pour les musique rap me fait reler rap ak ragap kaba et master G tandel là ça était sous tête bah ça nous fait puis soit dans des aventures rap top tu quoi commencer puis de jour je m'améliorer mon comment ça me résout là premier connaissance pour la musique nous t'a dit que c'est depuis en devant maman depuis un enfant maman et puis l'un au fait moi j'étais fils unique jusqu'à ce que j'ai 9 ans mais tout le petit monde dormait avec maman et maman était un phonographe et la phonographe ça chaque soir n'attendait Eddie Goldman n'attendait Tropicana Septentrional Frère de Jean Roberto Carlos Carlos Jobin etc et puis n'a marché toujours n'a marché pour nous venir à Srap pour nous venir à RGM pour nous venir à moitié monde moitié bête pour nous tomber dans divisé et puis pirouiller puis couper et puis nous tomber dans tragique so, ça veut dire connaissance moi musique son bail qui date longtemps et il y a son mariage qui va jamais finir bon on va dire connaissance moi avec musique c'est grâce avec famille parce que me délever dans famille qui fait musique et c'est là tout moi vienne faire connaissance ensemble avec musique là et puis on est là moi vinn entrer dans musique là me vinn entrer dans rap là par rapport avec dance et musique et puis qu'on y a là me vinn dans parcours moi vinn rencontrer avec plusieurs autres MC si me prend à l'époque me rencontrer ensemble avec Nek Chaka Jimso me vinn entrer dans Groove Clan et puis sorti de Groove Clan moi vinn passer par RGM pour vinn tomber dans rap à ce moment là et puis c'est là tout depuis dans rap vinn quitter vin tombé dans sa famille ou Fuji local et puis c'est même côté à tout me vinn jeune opportunité pour me créer groupe qui est libéré massif là et jusqu'à présent il y a toujours style là il veut toujours travailler me faire pile foutu moins hang avec un pile l'autre monde et puis en pile fréquentation juste yakou là pas comme dans musique est vraiment en pile premier connaissance j'aurais moi faire avec musique c'est avec compa mais c'était ancien compa c'est une raison que fait comme si me toujours aimer tant d'ancien compa pas nouveau parce que nouveau est un mélange ensuite les mignons doit à ouvrir radio pour moi je viens faire choix pam qui c'est rap je viens commencer à entendre rap ensuite je tombe entendre ragamuffin je commence à faire ragamuffin dans certains temps et puis après je viens tomber dans faire rap et jusqu'à ce que je vienne faire groupe sortir des groupes ragamuffin tomber dans groupe rap tomber dans SAL et puis qu'on aime dans solo bon faire connaître sa musique. Qui aime faire connaître sa musique. C'est un bail qui me dit que c'était facile parce que papa, c'était un chanteur. Il était connu dans DP, soit Scorpio, DP, je ne sais pas, mais c'était une base, ça fait longtemps. Donc, c'est un bail qui me dit que dans le sang. Mais vraiment, je viens de commencer à chanter. Je me dit oui, après ça, je viens comme si l'église, je viens de l'église avant, je viens de commencer à chanter à partir de l'église dans le choral, je viens de faire camper, je viens de retourner à qui les gens comme si dans un bon thème qui est chité. Je me suis dit à partir de 2002 dans Coco Chete Noël, bon, c'est l'époque ça me suis dit comme si le public l'a connu David, mais c'est pas l'époque ça nous a commencé parce que tout le monde était existé depuis bien avant. Nous étions arrivés dans l'école mère, etc. C'est depuis là ça me suis dit vraiment David commencé, c'est 2000, David commencé à entrer dans le domaine musical, chanter, etc. Bon, actuellement, je retourne à l'église, c'est ça qui me suis dit, c'est quoi ça nous a commencé actuellement, mes côtés nous. Bon. Connaissance moi avec musique c'est Front National. Me lever dans zone Front National et même côté avec Bojiksta. C'est dans bah j'aime lier ça c'était dans un petit programme là ça Bojiksta t'a gagné un groupe qui était les Black Power, moi qui fait partie de groupe là mais Bojiksta t'a gagné t'a un programme t'a fait groupe là t'a fait et Front National non si l'école qui est le phare. L'école ça c'est pendant que je viens dans le programme non bah ça et puis ça a tellement touché moi comme si me senti hip hop là ensemble comme si pour moi-même me doit faire rap haïtien. Qu'on a depuis le ça Jeffy t'es commencé rap avant. Depuis le ça moi avec Bojiksta nous vinn zanmi chaque jour me la calé n'a travail est-ce qu'on va ensemble les jusqu'à ce que me finis par venir dans groupe là et puis Jeffy prend n'a pas le freestyle tout côté dans toute zone non c'est de côté ça a tellement comme c'était fait monsieur plaisir monsieur était d'accord
monsieur était d'accord pour me dans pour me dans et Black Power qu'on y a là pour une premier côté je m'amblé ça et c'est dans l'église moi t'as représenté pour Bojix pour Bojix ça avec et plusieurs autres amis nous t'ai gagné dans zone là qui t'a présenté une série de bagages chaque monde t'a venu avec un bagage Bojix ça t'ai choisi prendre pour me chanter dans l'église là et on m'a caché des autres depuis après ça ça t'a touché parce que l'aime fin rap pour moun moi ouais comme si qui dans l'église là qui apprécier ça me fait yo c'est ton paquet de bagages elles sont depuis le ça me dit bon elles sont on lagué mais c'était le ça me gain 14 ans elles sont ça me les zone année 92 yo elles sont vraiment mais par contre 91 environ 91 92 c'est le ça moi commencer entrer d'emblée dans rap haïtien connaissance moi la musique c'est depuis les petits, on a entendu Haïti Rap and Raga, Superf, on a entendu l'autre star américain pour MC Hammer, tant d'autres artistes encore et tout, qui bon feeling, et tout, sous quatrième et tout, les nègres, puis on passe le wap drop. Et moi, ça a été fini là, et tout, on a dit, bon, essayez dans ce là-dedans. Bon, c'est depuis tout petit, parce que la caméra est comme un piano. La caméra de piano, mais fini. C'est tout bagay qui fait partie de l'éducation. Nous avons la leçon de musique. Tout bagay, ça a fait piano classique. Et même avec tout le frère, bien sûr. Mais il dit que c'est même maintenant, c'est moi-même qui vraiment arrêté dans le field. Là. Donc, on commence à piano classique, après ça, on commence à la musique populaire. Yo. Et je vais commencer à jouer dans petit jazz, faire petite musique d'école, me dépasser dans Fanfato. Et puis, nous étions dans le travail dans le studio, avec un producteur, tout le bagage. Et puis, nous là, et puis, c'est ça que moi, je suis là dans tout que je suis. Bon, depuis longtemps, je suis même musique. Depuis longtemps, je suis méloman. Et depuis à l'âge, je suis commencé à faire radio, bouton radio, je suis des musiques. Je suis venu à la musique, je suis venu à la musique. Et j'ai toujours appris suivre la musique. J'ai toujours pour la gagner un petit radio la carrière, mais j'ai toujours appris un peu de musique. Puis c'était dans l'époque que Stéphane Lacroix, qu'on a fait musique sur la station, j'ai toujours suivi. Master J, tout ça, pour qu'on ait une musique en pile. Je suis équipé de musique en pile, je suis normal. C'est que même, j'ai fait un rencontre avec Ebap. Ok, j'ai fait un rencontre avec Ebap, c'est pas le qui m'a arrêté pour ce machin. J'aime bien Dinolé. Même moi, je vais avec Boubla, je vais gérer avec Grand et grand-mère. Je vais déplacer malgré tes postes marchands. Okay? Là, on a vu tomber dans la communauté côté. Je vais gagner un pile de monde, gagner un pile de déplacement et puis même une possibilité de sortir tout. Parce que je ne vais pas oublier, c'est qu'on a gagné de démissionner. Maintenant, on a gagné de démissionner, c'est tout au Québec, qui est mon street. Je vais faire rencontre avec James Berlus, qui était des postes marchands tout. Et que nous venons faire ASRAP. C'est là que je vais découvrir avec James et qu'on a vu la. Il y a un paquet de bagages à la caméra, par exemple, tu veux que tu aies une télé, tu veux la caméra, qui te fait un privilège pour moi, pour te même que tu as suivi le mouvement et pas blanc à travers la télévision et sur MCV Rap, le MCV Rap, ok, et puis là, je viens vraiment et pas, je viens de me culturer, je viens d'aimer entrer dans le mouvement ça tout. Par contre, je viens d'aimer faire partie du mouvement ça. Et puis, quand l'autre bagage qui te vient, qui est important, je ne vais pas bien dire. Et pas oublier que nous, même moi, je venais à l'époque côté, c'était ton ma qui te gagne. Et nous, nous avons vu un paquet de bagages qui ne nous faire bien. Par exemple, les débats sur le marché, c'est un dragon. Dragon, c'est un côté, c'est un commissariat, tout ton ma côté gagne. Et c'est ton ma qui te gagne à faire des abus de vente, de suivre, de tickets. Bah, c'est un barre, mais qui cherche votre capoté là-dedans pour le système, ça a changé. Et puis, on va qui fait un impact sur moi, c'est. À l'époque 86, nous et moi final découvrir vidéo Master G la télévision qui te fait 6 bonnes. Les final regarder dans l'époque ça donc pour nèg donc pour pouvoir faire ton musique comme ça ça tu peux gagner cran ou t'es prêt pour faire une révolution sur mes tant ticket moi même j'aime ça faire ça m'daire me faire tout parce que m'daire un changement dans pays dans la société dans ça parce que et ça me t'a fait un peu comprendre qui ça le dire bon pour final suivre. Pour me connaître, qui mouvement que je suis faire, Master G. C'est après que je connais que Master G, c'est rap que je fait. Et puis je dis, bon, je vais aimer un rappel, tout le monde fait le même travail que je fait.
Je suis apporté même changement dans le pays. C'est ça qui est arrivé pour là. Je viens à suivre le rap, je viens à suivre rap. Et puis pour avoir un jeune jeune Berlus tout, qui vient à encourager ce pour là, je viens à faire rap crawl. Je viens au rappeur. Premier groupe rap crawl, moi, c'est ensemble avec avant que je joue ça. Et rap créole, avant que tu aies rap créole, tu aies danse. Ça veut dire que pour devenir un rappeur, ou pas capable de passer dans l'académie de danse, il faut qu'on danse avant, pour après ça pour venir un micro. Premier groupe, moi, c'est avec James Berlus que je fais, qui c'est DFX, The Family Exchange. C'est pendant que même avec James Berlus, on est toujours ensemble. Moi, là, avec James, on a fait des vidéos, UMCV, on a suivi avec The Bad Creation, ABC. Je suis une équipe qui a dansé, qui a chanté, qui a rap. Je dis James, pour ça que je fais un petit monde, on a fait un groupe rap. Et puis c'est de là, tout le monde fait DFX. Mais même James Berlus, avec Peter Berlus, c'est pour nous faire un groupe, ça a dégagé Makinova tout. Donc, comment c'est fait là? Mon cher, qu'on aime, mais on a grandi, comme si l'école vient à rencontrer avec des amis, on a monté des à New York, et puis on a entendu des radios, tout. On vient à faire connaissance avec la musique, mais la musique, on a vu entendre des cap vient plus rapprocher des soirées, mais on a vu entendre le coup de One DMC, ça a été grandi. On a vu des de Houdini, on a vu des Fat Boys, ou comme si bon l'autre vibe dans le genre de musique. Ça. Mais on a même pas cherché qu'on est qui genre de musique n'est-ce qu'on fait, qui genre n'est-ce qu'on fait comme si a chanté comme ça. Parce que ouais, plus c'est parler, il a parlé son beat. Et à l'époque, comme si. Pas tellement gen bay sa yo Haiti. C'est plus zanmi k ap fò tande, nèg ap prete vinil, ou ap prete des CD vinil One DMC, Two Life Crew, NWA, ou ap vin tande Fresh Prince. Ok, se bay sa yo kom si ki vin fèm antre, ki vin fèm tombe d'amour de hip hop. Pour me sentir comme si qu'il aimait pour moi pile l'aime vienne comme si a vienne grandi m'a privé en classe 3e seconde m'a vienne comme si apprendre littérature haïtienne côté m'a lit de poèmes tant quoi lit de poèmes tant quoi complet d'esclaves de Massion Kwaku qui a parlé de pourquoi suis-je nègre, pourquoi suis-je noir. Lorsque Dieu me jetait dans le ventre de ma mère, pourquoi la mort s'y prend au rendez-vous, n'a couru-t-elle pas? Ou bien comme si, ou bien pour un décès de conscience, d'identité pauvre en tant qu'Africain, en tant que noir, sous la terre. Et tout bas, ça va venir marier ensemble. Qu'on y a, ou bien tomber vraiment, vraiment comme si la réalité de nous-mêmes en tant qu'être humain, et puis musique, que wap tande a puisque hip hop son musique comme si qui plus gain un certain revendication là-dedans on y a vinn comprendre de ces débats de tête tout et ça vinn metto face avec comme si réalité musique hip hop là comment me faire connaissance à musique bon faut me dire bien musique dit di depuis c'est depuis les petits monde parce que j'étais les petits pasteur tout parce que les bam quand on saute d'église parce que les routes d'église j'étais même quand on a l'église quoi là fait ma petit col moi et puis me camper devant quoi là tout m'a fait il y a ça barre moi quoi ouais parce qu'on allait venir commencer dans 12 13 ans 14 ans pas mais jamais qui était pas venir commencer à venir avec des séries de bagarre comme si reggae son flash quoi regarder côté à jamais qui a vu live moi on a perdu tout mais m'a regardé. Puis vibe commence à venir, et puis d'autres ils viennent encore, ils ne viennent pas, ils viennent voyager là, jamais, ils viennent voir ici, ils disent, bon, attendez. Et puis, on commence à attirer un sol, non? Et puis après ça, continuer à faire ces routes là. Après, je joue basket, mais pas de bas musique, pas de bas musique là, tu n'as pas d'importance. Puis, ils viennent déranger, et puis. Non, tu vas à freestyle là, ils viennent voyager avec un catafal, break sur le yacht, ils freestyle, ils viennent faire dans la rue, ils viennent coller chaque jour. Puis, mais comment ils viennent mettre une barricade, et puis.
Je dis que tout papa l'aime prendre, l'aime non bagage, toujours prendre au sérieux, pas emballage en jouet et puis me prendre le sérieux et puis travailler puis mes côtés là. Et musique en général, ça sorti ça c'était faut mettre et bah là sous papa parce que même quand on a l'école dans ma chemise, il était toujours abjé ancien et les méridionales et Tropicana et les Septans et so mon petit cas background des anciens compas vous comprenez mais pour le bar à progresser ma prend l'âge me vient fall in love with hip hop non ça c'est comme si il pas fit c'est il pas fit dans société côté me sorti en so moi même donc on misfit déjà donc on m'a en place direct je viens de fêter ensemble avec lui. So hip hop c'est ça me préfère, c'est rap musique là que me préfère même la donne. Mon cas dit ou dans hip hop haïtien bien rap que genre là, c'est dans classe 6e ou bien 5e secondaire que on zanmi me fait dans des premières compilations rap que ma sœur Dicterien sous lui et Teddy Fresh, Trésor à l'époque qui vient MC Bob qui vient B.O.P. Kounia et Polo Jamaican, Fonzi Jamaican, Soupadeno, tout ancien monde ça sous seul projet ça et qui vient faire comme ça avec rap haïtien et hip hop haïtien même te content de ça qui relie rap américain déjà avant ça. Bon, so c'est l'âme qu'a dit directement connexion ensemble avec rap et musique avant papa ensemble avec rap qui c'est ça moi même moi remet ensemble m'a fait hip hop et c'est comme ça le commencer directement hier connaissance moi avec son bail qui date longtemps l'aime dit date longtemps son équipe presque moi levé dans musique mais surtout musique américaine parce que son équipe fan musique américaine qui vient ban moi tout un long chemin côté que m'a poursuivi jusqu'à ce que moi vienne entrer dans mouvement que moi et là je dis parce que nous on a quitté toujours un mordu de musique américaine disco on tout genre de musique c'est même slow américaine qu'a dit ça même hard work dès qu'on entend de tout et tout ça c'est ton parcours littéral dans l'époque que même on commencé pour ça me dit c'est ça que dans moment que me dit entrer dans musique ça ouais ça me dit très jeune côté que m'a télé dans musique ça vers les années 80 monde qui vient continuer qui fait toujours jouer connaissance que moi viens gain avec musique de nos jours que moi toujours été là donné m'a performé et tout m'a fait ça me capable là dedans si m'a font bref historique de moi même l'aime fait commencer dans musique avant que n'a zoom de content de l'autre musique m'était breakdance m'était fait partie d'un groupe qui était les Fantastic Breakers parce que m'était un grand frère qui c'est champion national à l'époque tu connais concours breakers MC breakers a dit B-boy c'est Jackson Milti et Magic Jack monsieur c'était champion national mais même moi t'es next time t'es prêt comme des pionniers c'est au même moi t'es suivre moi t'es un groupe qui t'es les MC breakers des B-boy avant des B-boy après ça m'a continué route là on a continué dans la musique et puis tout qu'on a vers les années MK dit 99 c'est là ça m'intégrer musique en réalité l'aime sa musique m'a prend mic m'a prend micro côté que moi t'ai un groupe moi qui était les Fresh Squad côté que nous même t'ai commencé à entrer dans musique juste musique ne t'a pas faire c'est pas ton musique simple nous t'ai son musique m'a dit c'était nos quatre mouvements côté que à l'époque c'est dans même époque ça pas gain 2000 nous venons avec association qui est Asra côté que nous même nous sommes groupe qui t'ai fait partie de ASRAP en même temps et surtout même moi j'étais membre ASRAP j'étais trésorier en ASRAP et tant que membre fondateur tout c'est toutes les sagou nous fait connaissance avec musique qui vient ba nous ça nous relait Kinoa en globalement ça veut dire que qui vient ba Kino dans toute intégralité le côté que nous fait tout chemin ça qui vient ba nous côté nous là ouais va moi venir dans musique et musique j'ai choisi parce que je fais cet prédicateur, je démarre mon MBSH Radio Lumière. Je toujours mystère, je toujours couvre pour me venir pour un chemin, pour peu moi. Et c'est force mystique que j'ai choisi comme artiste, comme un rebelle révolutionnaire qui vient chanter avant.
Et c'est ça qu'il faut apprendre, moi-même, toute musique, moi, c'est message, c'est pour mettre toute production. C'est une vibration naturelle mystique qui te fait venir un artiste, qui fait venir un musicien, qui fait venir un révolutionnaire. Et ça, m'a dit. J'ai commencé la musique en 85-86, m'a dit, malgré quelques leçons piano avec maestro Michel Desgouettes, de Regretter Mémoire. À partir de là, je viens rencontrer avec Gilbert Bailly, qui vient associer mon partenaire dans Saccage, à l'époque, Mouvement Nouvelle Génération. Et de là, nous traversons dans Studio FX, et qui était pour enregistrer un pile groupe jeune, les rap, qui fait qu'on dégraver bon ici. Et nous traversons dans Crisis à Production, qu'on a une dépôt du Notoire dans Jazz, que tout le monde connaît, pour King Bassi, Bode Spassi, les jeunes. Même font travail à Keepers, à un certain avec plusieurs autres mondes, original Rap Staff et tout ça. Et de là, nous traversons une vidéo. Et une premier clip que j'ai produit à l'époque, là, c'était Clip Adao de Rapin Family. Et deuxième clip, là, c'était Anne de Bodeuse Passé. Et puis à partir de là, nous continuons la production, Et ces jours-ci, le monde musical a lenti, j'ai ralenti pour nous. En tout cas, et pour moi, et se concentrer sur soit des projets personnels ou bien des projets qui tiennent à cœur, donc Haiti Walk, et Johan, et puis le mouvement de petit peu scandale, ça cache qu'on fait ces jours-ci. Finalement, on était frappé par courant à plat, côté des jeunes frères, et cap, qui dans le mouvement. Et avant, et mais c'est dans qui je suis pas plat lui-même, mais c'est dance, le rap. Et puis, monsieur un graphiste et tout. Et nous avons suivi monsieur en pile. Et monsieur était modèle, nous avons copié monsieur en pile. Et là, ça, je me dis, bon, il y a nécessité pour monter dans le mouvement. Et là, monter dans le mouvement, raison de plus qui fait monter dans le mouvement, c'est parce que là, de l'école, il y a quelques bagages que j'ai besoin de faire passer. Je me dis, que je ne sais pas comment faire passer, mais moi, à travers la plan, je fais passer. Puis, bien toujours, que tout l'autre moyen, je me dis, bon, c'est une possibilité là pour monter dans le mouvement, pour me faire bourrade, pour continuer à faire ça, j'ai envie de faire passer en passé. Puis, clair toujours. Bon, en gros, pour moi-même, je ne peux pas dire que je fais connaissance à la musique. Parce que je suis né avec la musique en dame. Je suis né d'une famille qui a à peu près 23. Qui chantait. Défunt maman moi qui parle aujourd'hui, c'est un grand chanteur à l'église. Mes papa c'est un grand chanteur dans l'église catholique, maman c'était maestro choral dans l'église protestante. Et moi j'ai un paquet de frères et sœurs qui chantaient, un paquet de cousins cousines, ma tante, c'est toute une famille qui chantait. Et moi-même ici en Mofaya m'égal avec musique. Cela veut dire que m'babal dit me faire connaissance avec musique. M'a dit que me lever me jouer musique dans moi parce que m'a chanté depuis à l'âge de 5 ans. L'aime dit chanter, c'est bien chanter parce que moi après à l'âge de 5 ans, l'aime de chanter dans église maison de refuge que c'est là maman t'est marché, c'est là me lever me jouer. Il t'a marché ensemble avec moi avant qu'il t'ait traversé. J'ai à l'âge de 5 ans l'aime de chanter toute l'église n'était levé t'es applaudi moi c'est un bel bagage que moi même pas dit me faire connaissance à la musique m'a dit moi avec musique fait un seul comprendre parce que me sont malade et si mon autre expression me déga utiliser plus que malade c'est l'm'a dit et en attendant que ces mots ça me connaît c'est l'm'a dit moi sont malade moi la musique fait un seul bon et moi non pas moi c'est Jefferson Rosefort but before mon connaît sous nom Jeff. Et je commencé dans la musique back en Haïti, premier vraiment encounter moi avec musique, avec scène musicale au niveau business ou bien au niveau groupe musical. Et ça fait 94 quand il a carrément des amis nous nous défendons pour quitter les Born Haitians. Moi-même personnellement c'est hip hop qui était main thème. Je remets reggae jusqu'à présent, je remets reggae avec involvement hip hop, ragamuffin toute époque ça. Et puis bon, il était une petite confusion tout le monde, pas trop qui ça qui hip hop, qui ça vraiment reggae. Bon, je suis dans fusion ça jusqu'à ce que je devienne quitter Haïti, nous te font album et tout ça. Et puis qu'on y a là, m'entrer directement dans musique, bon, dans quel niveau? C'est dans niveau engineering, sur mon degré. Acoustique avec Digital Music Production. Et puis c'est là que je suis entré
vin refaire reconnaissance encore à musique, vin refaire reconnaissance à hip hop comme si vin en partie présente de hip hop. On travaille avec plusieurs artistes qui dans cette musique haïtienne qui dans hip hop aussi qui bon ici. Bon, mon sac pifé mais mon travail c'est mon qui gagne avec des artistes qui avaient évolué en Haïti, bon qui connaissent gagne de toi dans qui dans scène internationale. Oh man, wow, c'est une grosse question. Oh man, pour songer, depuis l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, je songer, maman qu'on a dit, ouais, pas seulement maman, toute famille qu'on a dit, ouais, machine, pas bon là comme machine qu'on a campé à la fin indienne, cap gardé, cap dansé, tout petit, électrique, vrai, comprenne, bah ça, la musique là, t'es en dame, but, maman, tout est qu'on chantait, on papé, quoi, tonton, tout joue guitare, ma tante, moi, on voit plus, moi, je vais l'église, l'église, moi, je vais tout, on voit, so, ou déjà connaît, adoration every day, on voit, so, ma tante des musiques every day, on voit tout, pas bon, la caille, moi, encore, so, on l'a musique, but, là, moi, vin, really, entrer dans la musique, connaît, musique, c'est pas vraiment connaît, non? I mean, film music là, c'est le même côté rap music. Go on, I've got a rap CD, I've got a VH1, somebody started long ago. Oh man, MTV rap, man, et puis tout, Master G encore, qui dit, bah, nous connaissons avec rap ça. Oh man, et puis tout, femme là, tout, grâce à grand femme là, je me suis dit qu'on a attendu Master G dans Topic FM. Et puis tout même là, tout petit même, m'attendais ma prison, vous comprenez? Bon, mais c'est pas, je connais, c'est ma prison, vous comprenez? Bon, tant de bagailles, et puis tout, je viens faire connaissance à la mais nous marions, bagailles, et puis tout, je viens arriver là, je viens maintenant, bon, pas bon là, quand même, je viens comment ce petit groupe, mon brin, shout out to Gerson, Tutu, man, qu'on y a là, vin se danser au point n'est pas marcher danser bah tout côté dans les corps c'est là shout out to Bad Crazy T qu'on y a que les gars comprend rest in peace to Big Daddy J qui passed away original freskini man next I want love man et next I keep on man instrumental beat tu comprends comment c'est et puis tu commences à rap man tu comprends et puis tu buy party et puis tu pas bon la caille man et mon yo qui investit dans moi même man bah il était belle tout à cette époque you know et qu'on a fait concours pas bon la caille art you know every summer to get art man et puis tu si mon amène jeune pas bon la caille m'a performé et puis tout le monde vient ouais I mean que mon gonta dans la caille mais tout comprends so et puis that's where everything take off me not in the first claim comprends et puis tout ma rap qu'on y a tout comprends qu'on est des boîtes dans les rap ou in love with it my brother c'est qu'on soit prêté mais what bagaille et bah qu'on est des gonta dans la caille mais bah qu'on est tout mais but bah on vient dégénérer comprends qui fait jeudi à la vient pas être notre race au cas où jeudi à tout comprends but plus précisément, c'est pas bon la caille, moi. Comprends, mon yon investi dans moi. Même, t'es gain love, man. Les mon yon wè gif là. Yon poussé ma l'excès, man. Ma performé. Songe, des gain moun qui vin fait programme bon la caille là. Et puis tout, m'a dit, bah, positif, man. À cette époque, belle bacaille, man. You know? Et puis tout, m'vin, First Kling. Comprends, shout out to First Kling. C'est là, nous t'es fait premier album, nous. But malgré tout, il pas de gain sorti. But, I mean, un peu le monde connaît. First Kling, shout out, rest in peace to Jimmy O, you know. Shout out to all the rest of the guys, you know. Much love to Black Roberto, Kato, you know. Easy Lee, man, Cash, oh my God, Zill Tick, oh man, man, Kato, RC, man, Positive G, Hard Man, oh man, next up, Kali, moi, Simbli de toi, non, là. Oh man, Simbli de toi, non, monsieur, excusez-moi, je t'ai vu, ma fella. Damn, my fella. Shout out to all my people, man. You know, qui influencé moi, qui investi dans moi, même qui veut nous dire la trace qu'a joué moi, même pour participer dans le projet ça, tu vois, non? One love, man. Ok, ça fait près de 20 combien d'années depuis moi croisé avec Divino, Black Roberto, et puis, mais le plus souvent, c'est toujours qu'on a des petits rap américains, bagay ça. Et puis, je me suis dit, bon, on s'est passé. Je me suis rencontré avec Asila, moi, Jimmy O, moi, Basile G, tout le monde qui a un complot de droit.
te bon musique qui t'a frappé l'autre bois tu les béton show here we go et puis monsieur dit font font groupe tout men dit ah moi j'aime bien intéressé tout mais même pas un problème non et puis monsieur j'ai première musique qu'on écrit musique là petite musique là était on petite musique les gangster cool by ça et puis c'est comme ça nous commencer à évoluer et puis venir tourner nous passer dans le camion et passer la joie pour c'est la toute base la net de venir former net côté first clean venir former côté venir rencontrer Pazzy Jim venir rencontrer Jimmy O AC King venir rencontrer Coolie D venir rencontrer Super F venir rencontrer Bad Crazy T et puis tout nek ça on était là even c'est là tout qu'on y a nous venons commencer à faire connaissance avec tout nek Magic Click yo et puis c'est là ça nous commence à attendre Wu-Tang et n'a attendre Daz FX on paquet groupe qui crazy n'a attendre et puis nous en l'or avec hip hop là depuis là ça nous commence à écrire c'est ça simplement faire nous écrire nous saute l'école nous va même passer la caille nous même tout rendez-vous en net c'est passe la joie ouais tout nèg là n'est passe la joie et puis gonti radio que t'es là maintenant nous mettez instrumental nous tout nèg c'est yon après après l'autre freestyle c'est comme ça devons faire practice nous et puis nous venons faire premier musique first que nous t'ai fait monsieur j'ai noté les musiques là à la son musique qui t'ai conduit first clean à la son ça fait ayo vous deux si nous ça qui mourir ça fait ayo et puis depuis les sato nous tout vinn gen groupe first clean là et puis nous commencer vinn évoluer avec musique Haïti nous commencer à faire bagaille et puis nous venir croiser avec Jeffrey tout me songer et les nous te qu'on a fait parfois tout hip hop voodoo tout nous même et c'est à mix tout bagaille ça ensemble tout bagaille ça on a fait moins dans chemin en bagaille ça yo et puis n'a fait moins dans chemin hein et puis nous venir rencontrer avec Bojigsta Jeff. Et puis c'est le ça nous venons rencontrer avec Jimmy tout by ça on produit texte oh New York by ça qui vient de commencer cap aider nous comment ça nous venons commencer à gagner espoir nous n'étions un pile talent c'est vrai mais pas de grand cadre dans la musique là ici Master G t'es qu'on a pas cadré t'es qu'on a pas cadré l'autre petit rappeur les toutes les matchs là où il finit sorti toute bagaille ça net il y a toutes les matchs là où il finit sorti toute bagaille ça on est qu'on a pas nek pour nek share de pour sous quoi man et puis l'op garder tout man original rap staff toutes les ça toutes les groupes ça y a sorti man nous t'es déjà profondé dans rap là déjà mais n'a fait rap depuis longtemps man mais nous va devenir encadrement c'est problème n'a devenir passé premier connaissance moi musique comme des gars dit ça depuis à l'âge de 9 ans et que moi t'arrive disons l'église nous fait partie de plusieurs chorales donc on va plusieurs citer dans l'eau ensuite j'ai fait partie du concours plusieurs concours ensuite j'ai gagné une autre activité culturelle aussi et pour te dire moi vraiment c'est un pareil comme si j'ai voulu toujours dire que j'étais vraiment disais même si il y a la musique whatever ça qui correspond qui est musique qui est comme si disons art dans la donnée c'est ouais comme si tu es toujours là et que moi-même capable de faire cette technique.